Encore. Les bibliothécaires de Sainte-Agathe-des-Monts ont fait du gros travail dans les dernières semaines. Elles ont retiré des étagères tous les livres qui étaient un peu moins en demande depuis les derniers temps pour les mettre en vente lors de la grande vente de livres usagés de la bibliothèque Gaston Miron. Parce qu'on a trop de livres. On achète des livres régulièrement toute l'année. On a une collection de près de 26 000 livres dans la bibliothèque, mais à un moment donné, il faut faire une rotation. Donc, c'est pour ça qu'on va écouler nos livres durant la semaine des bibliothèques publiques. Il y a des livres aussi qui ne sortent plus ou qui sortent moins. Donc, on voit ça dans nos systèmes informatiques. Fait qu'on fait une rotation, on fait un élagage de livres. On enlève les plus vieux, on en remet des plus récents. D'ailleurs, l'automne est la saison de l'année où les nouveautés affluent dans les bibliothèques publiques. De nouvelles histoires se retrouveront prochainement en grande quantité sur les tablettes. C'est une période assez intense pour l'achat de livres parce que c'est le temps des salons du livre, c'est la rentrée scolaire, c'est Noël qui s'en vient, donc il y a beaucoup de livres qui sortent. On va en acheter beaucoup au cours des prochains mois, donc il faut faire de la place. Des livres de toutes sortes de genres seront mis en vente. On a des documentaires, on a des livres en anglais, on a des livres pour enfants. Malgré que la collection de livres pour enfants, on fait aussi des dons aux écoles. Mais ce qui nous reste, on va les mettre en vente lors de la vente qui va se tenir du 17 octobre au 24. Vous faites des dons aux écoles avec vos livres ici? Oui, quand on a plusieurs des boîtes de livres, on appelle les écoles puis on leur demande s'ils sont intéressés à venir jeter un coup d'œil puis ils repartent avec ce qu'ils veulent. Ou si les organismes communautaires, on met ça à leur disposition. Cette vente se déroulera du 17 au 24 octobre à la bibliothèque de Sainte-Agathe-des-Monts, selon les heures d'ouverture régulières de ce service public. C'est la première année qu'on va faire la vente de livres à la bibliothèque. On avait organisé par les années passées la foire du livre où on était à l'extérieur puis on vendait nos livres. Ça marchait beaucoup. Donc, on pense que oui, on va avoir beaucoup de monde. On espère parce qu'on veut faire de la place. Puis c'est pour ça qu'on les vend pas cher à 2 $. Tous les livres seront vendus au prix unique de 2 $. Peu importe la nature du livre, qu'il soit petit ou gros, pour enfants ou pour adultes. Les sommes amassées lors de cette vente de livres serviront à acheter de nouveaux livres pour regarnir à nouveau les rayons de la bibliothèque Gaston Miron.